sommes avec vous ce matin pour voir à peu près ce qu'il faut avec vous. Voir dans quelles conditions, comment nous allons prendre pour mieux vivre. Nous sommes d'accord? Oui. C'est ça. Les bonnes choses vont commencer. Donc, les parents de l'Ebson là, est-ce qu'il faut parfois aller en cours ou bien tout est en un langage élémentaire, très bas, quoi. Très bas. Pour qu'ils puissent comprendre. Donc, ce qu'on nous a demandé de vous dire aujourd'hui, c'est de vous entretenir, vous expliquer ce que c'est que la nutrition. La nutrition, c'est quoi? La nutrition, c'est le fait de manger. Et bien manger alors. Manger de bonnes choses pour que le corps, l'organisme fonctionne bien. Tout à l'heure, on a demandé, on vous a demandé si celui qui a pris un tomoro de gari a bien mangé. Vous avez dit non, non. Ah, ceux-là, il peut dire qu'il a mangé, il est rassasié. Mais en fait, son corps n'a pas trouvé ce qu'il lui faut. Alors que quand tu manges bien, l'organisme, le corps doit trouver ce qu'il lui faut pour bien fonctionner, pour bien travailler. Hein? Ce que nous avons constaté, ce qu'on a constaté partout, c'est que au Bénin là, surtout dans les villages, les élèves, les enfants en général, les élèves en particulier, n'ont pas l'occasion de trouver de bonnes choses à manger. Frère Faux. On mange. Mais nous mangeons ce qu'on nous présente seulement. Ce que les vendeurs nous présentent, c'est ça que nous achetons. Si tu veux, tu achètes. Si tu ne veux pas, tu vas rester affamé là. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui, pour savoir comment nous allons changer cette situation-là. Nous parlons de la malnutrition. La malnutrition, c'est celui qui n'a pas bien mangé.